Salut, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode des streams Another Homepage, je suis Niels. Et pour l'épisode de ce soir, nous allons continuer le labo réseau as code. C'est-à-dire que l'objectif, c'est donc de mettre en place un labo virtuel, composé donc de plusieurs machines virtuelles, reliées ensemble dans différents réseaux. Et hey, salut à toi The Penguin et salut à toi Dinoka, j'espère que vous allez bien. Donc le principe de cette saga de stream, c'est donc de pouvoir imaginer c'est de créer un lab qui va nous permettre ensuite de faire différentes expérimentations. Et ce lab est fait avec de l'infrastructure as code. L'idée, c'est de pouvoir reproduire facilement ce lab pour pouvoir le détruire et le reconstruire si besoin est. Parce que si par exemple je décide de dézinguer, je sais pas moi, un router, un firewall, ou de jouer avec ces paramètres, je veux pouvoir revenir facilement à un état fonctionnel. Je pense que vous sentez l'expérience, puisque le lab virtuel précédent n'était pas fait, il n'était pas fait de façon infra-ascode. Et ça posait quelques petits soucis, surtout quand je me suis mis à faire joujou avec par exemple des drivers d'interface de firewall. Alors, je vais quand même vous montrer, si je remets la main dessus, le schéma qui permet de un peu mieux comprendre ce labo. Et voilà, documentation. Hop. Allez, on va ouvrir le schéma. Hop, on va le sortir à côté. Alors du coup, oui, forcément, le schéma est sur fond blanc. Et comme l'écran, le reste de l'écran est en noir, bah, quand je mets un truc clair, vous voyez, ça me flash à l'écran. Je suis beaucoup plus pâle. J'ai même pas demandé si au niveau son, c'était bon, si vous m'entendez bien, si la musique est pas trop forte. Hop là. Ah, et puis en plus, Dinoka, c'était ton premier message. C'est vrai que oui, on a surtout dialogué sur le Discord qui se trouve un petit peu en dessous. Ah super, merci pour la confirmation, parce que j'ai donc un retour vidéo, mais le retour sonore, c'est pas toujours évident. Donc oui, le schéma qui va permettre un peu mieux de comprendre ce labo as code pour celles et ceux qui découvriraient le projet. Ben, on va passer tout de suite sur la partie bureau plutôt que ma tête en grand. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a une sorte de petite boucle comme ça qui donc indique qui vous montre un peu comment ça se passe au niveau réseau, et on va en discuter un petit instant. Et c'est donc en fait presque tout là-dessus est virtuel. En gros, je sélectionne tout ça, c'est virtuel. Voilà, tout ça c'est de la machine virtuelle. Et donc le principe, c'est que en fait, ce labo, quelque part, simuler, reproduire une petite partie d'Internet. Et quand je dis qu'il va simuler, reproduire une petite partie d'Internet, c'est donc qu'on a ici des routeurs qui viennent délimiter des fournisseurs d'accès Internet imaginaires. Et en pouvant simuler des fournisseurs d'accès Internet imaginaires, on peut alors faire des choses un peu plus intéressantes. Donc on a plusieurs catégories de fournisseurs d'accès. Là en fait, ça c'est plus par exemple un fournisseur de cloud public, on va dire, qui propose des machines virtuelles, des VPS. Alors toutes les machines, voilà, je les appelle numéro quelque part. J'ai numéroté mes fournisseurs d'accès imaginaires. Ils s'appellent ISP1 à ISP6. Ils sont tous connectés deux par deux, histoire de pouvoir montrer ce que ça donne quand on a par exemple une coupure sur, euh,
sur une liaison entre deux opérateurs, on va dire, deux fournisseurs d'accès. On a donc ici un fournisseur qui serait plus du VPS. Alors pour l'instant, tous ont une machine derrière, plus pour vérifier la connectivité qu'autre chose. Et puis, alors cette machine-là est un peu spéciale, parce que donc tout ça est déployé via Terraform. La configuration initiale est faite via Cloud Init. Et le ISP 1 VPS 1, lui, il va contenir de l'Ansible. Et en ayant de l'Ansible, on va pouvoir automatiser des paramétrages supplémentaires sur certaines machines. Et donc, grâce au playbook Ansible qui sont présents sur cette machine, on a pu déployer un premier serveur web statique sur ISP 3 VPS 1. Et là, on est actuellement en train de déployer une application web en PHP sur ISP 3 VPS 2. Il va nous falloir par contre ajouter une base de données, et c'est donc l'objectif de ce soir. Avant de démarrer vraiment l'objectif de ce soir, effectivement, il y a deux teams le jeudi soir. Il y a du soft ici, et il y a du hardware chez Rancune. Rancune qui je l'espère, aura peut-être droit à un raid s'il termine après moi. Hop là. Alors, donc, un petit truc aussi que je mets en place. Paramètres, proxy. Hop là. Ah oui, alors du coup, il n'est pas encore activé. Donc, on va se faire un petit SSH sur ISP 1 VPS 1 depuis mon poste. Si c'est. Oui, c'est bien ça. Hop, Demux. Voilà. Si je fais un history pipegrep dig, non, je l'ai plus, pipegrep host. Allez, on va faire un host linuxfr.org. Hop. Et ça répond. Et ça répond. Et ça, c'est cool. Alors, pourquoi est-ce que je vérifie ça? Parce que ben, dans le passé, j'ai eu quelques petits soucis avec cette machine et cette machine qui avait du mal à démarrer correctement. Puisque ce sont les serveurs DNS. Petit détail aussi qui a son importance, donc. Tout ceci est sur une machine qui n'est pas ma machine de stream, d'une part. Donc j'ai une conf un peu particulière pour me connecter en direct. Je passe donc par cette machine-là, qui est la machine physique. Et je viens ici. Donc je passe ici, je crois que je rebondis par là pour arriver ici. Et donc à partir de maintenant, ce que je peux faire au niveau de ce petit Firefox, c'est activer le SOX V5. Et donc à partir de là, ce que je peux faire un http://isp3vps1.example.com sur lequel on va trouver. Hop. Alors, j'ai mis du code HTML statique qui se trouve être l'équivalent de ma page perso. Alors, hop, pardon pour le bruit, si jamais vous avez entendu ma main heurter la tige du micro. Et ce qu'on doit pouvoir faire, c'est que si on fait un VPS2, ah, la connexion a échoué. Ok, donc on va aller jeter un œil à ça. ISP3 VPS2.example.com. Voilà. Sudo pgrep nginx. Et donc, non, nginx n'est pas lancé. Système CTL status. Tiens, on va faire un statut. On va vérifier si c'est juste qu'il est actif. Ok. Bon, on va le démarrer. On va voir ce que ça donne. Et il est allumé. Je suspecte aussi que PHP ne doit pas être lancé aussi. Sauf que je ne sais plus exactement. C'est PHP-FPM. Ok. Voilà. Et là, il est lancé. Donc, a priori, si je refais ça... Ah, oui. Il essaye de le faire en HTTPS. Voilà. Alors, j'aurais aimé qu'il me fasse un... Ah, login.php ne veut pas. Alors, pourquoi? On vérifie ça tout de suite. Varlog... non, pas Varlog. Alors, on va déjà retourner dans etc nginx... On va aller jeter un œil à conf.d
Et on va regarder où est... Alors si vous posez la question de ce que sont ces fichiers bizarres, ce sont des restes de Ansible. En gros, quand Ansible vient écraser une conf, il va quand même faire un backup. Donc, il va nous laisser des fichiers comme ça, qui potentiellement, faut faire gaffe. Alors, on va peut-être faire un less au lieu de ISP3VPS2. Hop là. Donc, l'access log, c'est ici. Hop. Alors, il nous dit erreur 500. Ok. Donc, on va peut-être regarder l'error log. Et l'error log nous dit que on a. Oh là là. Call to undefined function MySQL connect. Ah oui, c'est qu'on voulait faire une install, pas un login. Hop. Install, je crois, .php. File not found. Ou alors que ce soit slash install tout court. 404 not found. Ok, on va aller vérifier dans le. Hop, le route. Hop, allons-y. Donc le truc est censé s'appeler. Alors on a un info.php. Ah, on a un info.php. Ce sera toujours ça de prix. Ok, donc là c'est bon, j'ai pu valider que le PHP est correctement lancé. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Par contre, readme.fr. Alors. Alors, la traduction du. Alors. Donc, petite explication. L'application que j'essaye d'installer. S'appelle DVWA. On va aller chercher sur le grand internet mondial et convivial. Qu'est-ce que DVWA? Alors, je le voudrais plutôt. Je crois que maintenant il est sur quoi? Il est sur GitHub. Et donc, ça veut dire Damn Vulnerable Web Application. Et visiblement, le README en français. Le README en français. Je sais pas. Ils auraient peut-être pu trouver une traduction peut-être un peu moins. Comment dire? En termes de mots, voilà quoi. Enfin, c'est pas très poli. Bref, hop, alors. Ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'ils ont des trucs au niveau de. Ah, voilà, les dépendances. PHP, MySQLi. On va peut-être vouloir rajouter ça dans les dépendances de notre truc. Et après, on va s'occuper de PHP. Alors, comment on va s'y prendre? Pour s'y prendre, on va aller regarder dans slash srv sur ISP1VPS1. Et on a un repo git qui s'appelle la base code et qui contient en fait tout mon code. Le code Terraform, le code Cloud Init, le code Ansible. On a même une licence et un README. Et là vous êtes en train peut-être de penser, mais dites. Il a fait l'effort de faire un dépôt git. Salut à toi The Tourist. Il a fait l'effort de faire un repo git. Est-ce qu'il aurait fait l'effort de le publier ce repo git? Et là je réponds oui bien sûr. Et je vais vous montrer ça tout de suite, si jamais, hop. Alors, on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, hop, voilà, le voici, le voilà. Et je vous le livre, bien entendu, dans le chat. Si jamais vous avez envie, vous-même, de lancer le même labo chez vous, pour peu que vous ayez assez de RAM, hein, parce que je pense qu'il faut bien 15 à 20 gigs de RAM, rien que pour le labo, hein. Et donc une fois que ce labo est là, ah bah voilà, installer DVWA. Et je vous avais même pas expliqué, j'avais même pas fini de vous dire ce qu'était DVWA. C'est une application web volontairement vulnérable, en fait. Donc il y a plein d'erreurs dedans qui font que c'est un terrain de jeu propice pour celles et ceux qui veulent tenter leur chance à faire du pentest par exemple. Ou inversement. À vouloir tenter de sécuriser un code qui n'est pas,
qui est pas génial, mais sur lequel on peut pas forcément agir. Alors j'avais déjà fait ça il y a l'année dernière, mais dans la version non automatisée comment dire, du labo. Et donc j'avais passé pas mal de temps à durcir la machine virtuelle. Alors je vais pas forcément refaire ça après, mais l'idée c'est que je voulais essayer de voir comment monter en place un LEMP, donc un Linux Nginx MariaDB PHP, et je me suis dit bah quitte à installer une application web, tiens on va installer DVWA, ça changera de WordPress. Donc, dans le code Ansible, est-ce que j'ai des trucs non. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que j'ai pas. Tiens, j'ai des fichiers non traqués. Fichtre. Fichtre. Alors, on va les regarder. Git, GitHub. Hop. On a dit la base code. Git status ici. Ah oui, donc j'ai juste. Ah oui, ça c'est parce que c'est un classique. C'est dès que je touche un petit peu au schéma d'Android.io. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur le schéma. Je vais le fermer. Hop. Hop, en mode gros bourrin. Et donc a priori, là on est bon. Untracked file. Et si jamais je fais un petit git. Un git log, histoire de voir les. Ah. Hop. ISP1, fixe crash. Ah, j'ai pas forcément les trucs. Si je fais un petit git pull, à mon avis, il va chouiner. Il va me dire. Ah non, tiens, il me chouine pas. Il me dit error, following untracked files will be overwritten by merge. Please move. Ah ouais, ok. Et ben, on va les faire sauter en fait. Non, on va peut-être pas les faire sauter. MV. Ça, on va le mettre dans slash TMP. Ah bah oui, forcément, ils sont. Bah, non, il est pas trop Ansible. Ah oui, d'accord, je suis pas dans le. Hop, voilà. Ensuite, ça aussi. Et ça aussi. Hop, bon, slash TMP. TMP main. Ah, oui, je pense que j'avais dû. Will not override just created. Ah bah oui, forcément, main main. Ah oui, ok. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, on a perdu le fichier, mais c'est pas grave. The following untracked. MV, ça, et puis on va le faire. On va l'appeler slash TMP. DVWA main.yaml. Allez. Je pense pas que je vais en avoir un nouveau besoin. Ok, bah de toute façon, c'était ces fichiers-là. Voilà, comme ça au moins, ça a le mérite d'être clair. Allez, on va pas s'embêter la vie. TMP étoile.yaml. Hop là, YML. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. On vient de les récupérer. Il y a encore. Ah ouais, il y a ça qui est untracked, mais. Il faudra que je vois comment gérer ça proprement. Mais dans l'immédiat, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Et dans le répertoire Ansible, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors. Donc j'ai un rôle DVWA et dedans, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Eh bien, j'ai un main.yaml pour les tâches et j'ai un main.yaml pour les variables. Donc je vais aller ouvrir ces deux fichiers-là. DVWA, on a dit task main.yaml et role DVWA vars main.yaml. Hop là. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que donc on a. Il est où le truc? Voilà, on a un import d'un rôle Nginx qui nous amène donc un playbook Nginx déjà existant. Donc c'est pratique, ça m'évite de réinventer la roue. Qui en plus est développé par les gens de chez Nginx. Donc c'est toujours bon à prendre.
Hop, et ensuite, on a un import de rôle, qui est l'import de rôle PHP de chez Jeff Geerling, dont je vous recommande les chaînes YouTube, si jamais vous maîtrisez l'anglais oral. Je crois que les sous-titres sont plutôt de bonne qualité, si jamais vous préférez l'anglais sous-titré. Ces sous-titres sont plutôt pas mal. Je ne sais pas s'ils sont auto-générés ou s'ils sont écrits avec, j'ai envie de dire, avec amour et compétence, mais toujours est-il que ça passe plutôt pas mal. Ici, on a carrément tout un tas de valeurs. Et donc, on s'est rendu compte. C'est qui ce Jeff? Ah bah, écoute, je vais carrément te montrer la chaîne YouTube, hein, tant qu'à faire. Je vais te le montrer, tiens, ici. Hop, YouTube.com, là. Oui, c'est un sysadmin, on peut dire ça, effectivement. Enfin, un sysadmin. Hop. Jeff Geerling. Voilà. En fait, ce gars est un peu une sommité dans le monde Ansible et dans le monde HomeLab. Je vais vous copier-coller le lien vers la chaîne YouTube. Hop là. Et en plus, dans les, alors dans les playlists, voilà, il y a des trucs. Ouais, tiens, il a fait le truc sur Kubernetes. Cool. Il a fait des trucs sur Ansible. Il a même écrit un bouquin sur Ansible. Alors j'ai pas regardé toutes les. Oh, merci pour le follow, Rudos. Merci à toi et bienvenue dans le coin. C'est très gentil. Rudos qui est le 645e follower sur la chaîne Twitch. Bah merci à toi. L'occasion de signaler que. Il y a aussi. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je mets les replays des lives. Alors avec un peu de retard, mais je le fais quand même de temps en temps. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir des anciens lives. Alors pas forcément les regarder les deux heures de Nils comme ça, mais vous pouvez regarder, explorer un petit peu deux trois trucs de temps en temps. Ça peut servir. Visiblement, certaines ou certains ont apprécié notamment mon. Alors, est-ce que je connais David Bombal et Sean Powers? Absolument pas. Absolument pas. Hop. Est-ce que ce sont des youtubeurs? Est-ce que ce sont des gens particuliers? Hop. Alors. Ah, il a fait des cours. Il a fait des. Il a une chaîne YouTube aussi. Ok. Wanting to learn. Ah, je suppose qu'il a créé ses propres. Ok, d'accord. David Bombal, il me fait penser à Network Chuck. Je sais pas si c'est le même genre. Mais. Ok, donc il vend des formations. Ok. Ok. D'accord, donc ça a l'air d'être un peu le même genre. Ah oui, tiens, ça me fait penser que par rapport au stream de dimanche, j'ai toujours une Kali Linux à installer, moi. Hop là. Parce que du coup, dimanche, on a fait un peu de cybersécu. On a fait un peu de. Sean Powers. Journaliste, open source évangéliste, cartooniste, and online personality. Co-host at Floss Weekly. Ah! D'accord, donc je l'ai déjà entendu une fois ou deux alors. Je l'ai déjà entendu une fois ou deux. Il m'arrive des fois de. Il m'arrive des fois d'écouter Floss Weekly. C'est pas souvent d'ailleurs, c'est même beaucoup moins. Sur le même network, parce que Floss Weekly, ça fait partie de voilà de Twitch, alors pas de Twitch, mais de Twitch.tv, qui est en fait un network de podcast qui a été créé par Léo Laporte. Voilà, à cause du truc qui s'appelait avant This Week in Tech. Et alors moi. Un show que j'écoute très souvent sur Twitch, c'est plutôt Security Now. Alors, est-ce que je peux vous le retrouver? Il est là. Ils ont changé le logo, en fait. Donc, avec Léo Laporte et Steve Gibson, qui est assez intéressant. Je suis pas toujours d'accord avec la manière dont Steve Gibson s'y prend sur certains trucs, mais il a toujours un avis intéressant.
Floss Weekly, c'est pas mal aussi. Mais effectivement, avant, moi, je l'écoutais avec Randall Schwartz. Et Floss Weekly, des fois, il y a des choses intéressantes aussi. Si on regarde dans les épisodes, alors lequel j'ai dû écouter en dernier, je fais on fait un petit aparté là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Tiens, ah oui, Rust dans le noyau Linux. Open Source Finance. Alors dans ces derniers-là, je les ai pas écoutés. Lequel j'ai pu écouter en dernier? Alors de toute façon, c'est très simple, hein, je vais aller regarder sur mon appli de podcast. Mais ils sont globalement, on peut. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que si vous voulez les regarder plutôt que les écouter, vous pouvez le faire sur YouTube. Tous les trucs de chez Léo Laporte, de chez Tweet, là, ils sont sur YouTube. Et si je regarde, alors, dans ma bibliothèque, alors je crois que je dois avoir un ou deux Security Now de retard. Oui, effectivement, j'ai deux Security Now de retard. Et je vais aller chercher Floss Weekly. Hop, allons-y. Comment c'est impossible de trouver Floss Weekly? C'est peut-être que je l'ai pas mis en majuscule. C'est dingue ça. Alors, je vais le mettre. Hop, je l'aurais cherché ailleurs, mais je ne vais pas non plus passer 2 heures dessus. Hop là. Alors. J'espère juste que mon appli de podcast ne va pas se mettre à faire du son, parce que sinon, moi, j'ai pas envie de me prendre un strike. Hop, voilà, Floss Weekly, audio. Et lequel j'ai écouté en dernier, ça doit faire un bon moment, parce que même celui de juillet, de fin juillet, je l'ai pas écouté. Donc, c'est pour vous dire, je les ai pas écoutés depuis un petit bout de temps, mais de temps en temps il y a des épisodes intéressants, donc ça m'arrive une fois de temps en temps quand le titre me botte, j'écoute. Salut à toi Cookies, bienvenue. Désolé, j'ai pas forcément réagi très très promptement. Mais voilà, effectivement, Floss Weekly ça a été démarré par Léo Laporte. Hop là. Mais ouais, ils sont sympas. Hop. Très bien. Ok, mais ouais, voilà, Jeff Geerling, je vous le recommande. Si jamais vous voulez regarder ses vidéos sur Ansible, j'ai commencé un petit peu, mais j'ai pas fini. Je regarde ses vidéos un peu quand elles sortent, selon les sujets qui m'intéressent. Il fait beaucoup de choses aussi avec des Raspberry Pi. Il fait des trucs assez dingues avec des Raspberry Pi. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de rajouter PHP. Hop, PHP MySQL i, je crois. Hop, PHP j'ai dit PHP MySQL i, voilà. Je vais commiter ça tout de suite d'ailleurs. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu éviter ça. Non, je ferai les commits à la fin, comme d'habitude. Alors, d'ailleurs, ça c'est hop, ici. Et donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais aller sur Ansible Galaxy. Et voir si on aurait un rôle pour MariaDB, pour pouvoir installer la base de données pour notre application web. Search. Alors, si je tape MariaDB. MariaDB Box Services. Oh tiens, c'est intéressant ça. Et en plus, ça c'est intéressant, StartXFR, c'est une société de services qui est spécialisée dans les trucs Red Hat. Alors, il y a une collection MySQL... Ansible Community, ok. Je vois rien de la part de Jeff Geerling, je suis presque surpris. On va hop, augmenter le nombre de trucs. Server running, Bakula, Tata, Engine. Oui, bon. Ah, rôle. J'étais pas dans les rôles là. Collections. Ah, d'accord, j'étais carrément dans les collections. Bon. Alors, dans les rôles, MariaDB. Même si c'est un gars dans son coin. Mais il a un score de 5 sur 5. Il a l'air d'être. Ouais, bon, en même temps, il est en. Ah, ça c'est intéressant. Je vais zoomer pour que vous puissiez le voir. Voilà. Manage MariaDB on a Red Hat based Linux distributions. Donc ça c'est intéressant parce que ben j'ai une Fedora moi donc c'est parfait. Hein. Mais j'aurais espéré trouver un truc venant soit du projet officiel
soit venant de quelqu'un dont je sais que il fait normalement les choses correctement. Alors là, il y a un gars qui s'appelle Ansible Guy. Il y a des gens dans leur coin qui font des rôles. Mais... ce qu'on va peut-être faire, c'est que je vais peut-être aller chercher justement du côté de Jeff Gearing, si jamais il a pas créé des trucs. Alors si je tape Gearing, est-ce que je vais avoir des choses? Oui, il y a plein de choses. Donc on va aller regarder du côté de Gearing Guy. Est-ce qu'il a fait des choses sur MariaDB par exemple, ou MySQL? Si je tape MariaDB. Non, il n'y a rien. Hop. Et si je tape MySQL. Oui. Alors, il a fait un truc qui s'appelle PHP MySQL Support for Linux. Tiens, on va regarder. Et un truc qui s'appelle MySQL. Si ça se trouve, ma petite modif que j'ai fait là à l'instant, je vais la revert. Et si ça se trouve, il a mieux. Alors. Alors, si vous avez activé des repos additionnels, nanana. PHP MySQL Package, ok. Alors, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre pourquoi il veut rajouter un rôle. Hey, merci pour le follow, Matt Power. Merci à toi. J'ai du mal à comprendre pourquoi il veut rajouter un rôle qui s'appelle PHP-MySQL. Alors que dans l'absolu, j'ai envie de dire, il y a juste à installer un package, quoi. Enfin, il y a juste à rajouter un package. Là, moi, je mets pas PHP-MySQL, mais... Est-ce qu'il installe plusieurs packages? Est-ce que... On va les regarder, tiens. Il est où le repo? Il est là, hop. On va aller voir ce qu'il fait. On va aller dans les tasks. Main.yaml. Donc, il va vérifier les... Hein, ok. Ouais, effectivement, il définit. Il installe les dépendances. Ah, on va peut-être aller voir les variables, alors. Quand hein, c'est du Red Hat... Il précise, effectivement, tac tac tac. Ok. Bon, jusque-là, c'est pas. C'est pas sorcier. Et dans les variables, qu'est-ce qui fait l'intéressant? PHP MySQL package. Ok, soit. Et dans les Debian, c'est PHP 5. Ok. Ah oui, PHP défaut de version, défaut de 7.4. Ok. Ok, je vois. Je vois. Donc, effectivement. Effectivement. Ça a l'air et je crois que je comprends un petit peu plus. Ouais. Je comprends un petit peu plus le... quoi? Requirements? Apache? J'espère pas. Hein. Bon, on va voir. Du coup, je vais peut-être tenter ma chance avec ça. Je comprends un peu. Il y a peut-être une volonté ouais, de... Justement, il y a les problématiques de gestion entre du Debian et du Red Hat. Et donc, on peut utiliser le même code pour gérer les deux plateformes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter... Alors, je vais dégager ça, du coup. Ah oui, j'ai le réflexe de... Hop. Alors, on va aller ici. Et si je refais ça, est-ce que je peux faire deux imports comme ça? Et il faut installer... c'est quoi le hop, détail? Gearingguy.php-mysql. Ah, mais attends, étant donné que j'ai fait... Ah oui, .php-mysql. Donc, une fois que ça s'est fait, j'étais en train de me demander est-ce que il avait un truc MySQL. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va vouloir installer forcément un MySQL ou est-ce qu'il va utiliser un MariaDB? Remarque qu'il a le tag MariaDB, donc on va aller voir ça, hein. Ok. Alors du coup dans les détails, gearingguy.mysql. Bon, on va pas s'embêter la vie. Hein.
Voilà. Alors. Requirement, no special requirements, nanana, root access, oui, logique. Become, yes. Ah. Alors, donc il y aurait des soucis si jamais on le fait, si ça devient un petit peu l'arrache. Ok. J'aurais tendance à vouloir trasher la VM et à recommencer, hein. Salut à toi, Cool Geek, hein, bienvenue. Alors, MySQL inébe. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait d'activation sur. Oh, quoique. Bon, on va voir ça après. Override global MyCNF, MySQL config. Ok, ça risque d'être un petit peu joyeux. Alors il y a un truc qui me chiffonne. Ah voilà. Pré-task, installer le repo MySQL. Ok. Le truc officiel de chez Oracle. Ok. Alors, ce rôle marche avec soit MySQL ou MariaDB. On va quand même aller jeter un œil au code. Allez. Alors du coup, pour l'instant, je fais pas grand-chose, mais je préfère quand même jeter un œil au code avant. On va aller retourner dans les tâches. Allez, main. Ah, Secure Installation, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et le setup Red Hat aussi. Alors. Donc il inclut, oui, bah, les variables, ok. Il inclut le setup Red Hat, setup Debian, ok. Setup Arch Linux. Vérifie si les paquets ont été installés. D'accord. Et puis ensuite, ok. Configure, Secure Installation. Alors, tu vas peut-être du coup regarder dans le bon ordre. Alors, configure. Il récupère les trucs, il copie les fichiers, d'accord, il vérifie que MySQL. Ok. Ok, bon, je passe un peu vite, mais ça m'a l'air pas trop mal. Et après le configure, il fait un secure installation, et ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors pourquoi ça m'intéresse? Parce que par défaut, quand on installe un MySQL ou un MariaDB, c'est un peu open bar. C'est un peu open bar. Et en gros, il existe une commande qui s'appelle MySQL, justement MySQL underscore secure underscore installation, qui permet justement de virer les bases de données de test, qui permet de faire en sorte que l'utilisateur root n'ait pas le droit de se connecter de façon un peu, comment dire, bah open bar quoi, et ce genre de choses-là. Et je suspecte que notre Jeff Gerling adoré a fait tout ça. Oui, c'est ça, root sans mot de passe par exemple. Et là, du coup, il va nous faire en installer un, mais. Tac, 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 MySQL, localhost, nanana, present. Ouais, donc il vérifie que le default user est present. Tac, has to be after root. Idem potency, ok. Voilà, disallow the root login remotely. Donc en gros, il désactive le fait que root peut se connecter à distance. Ça veut dire que pour pouvoir se connecter en tant que root sur la base de données MySQL, il est nécessaire d'être sur la machine qui est le serveur, MySQL. Enfin, je devrais dire MariaDB aussi.
Mais ouais, on voit bien qu'en fait il efface route si le host n'est pas localhost en 27.0.0.1 ou 2.2.1, qui est donc la loopback en IPv6. Il vient chercher la liste des hosts, ok. Je vois pas d'illéter les tables de test pour l'instant, ou les bases de données de test. Cette route password. Ah oui, d'accord, si jamais il y a un MySQL inférieur à 5.7. Ah, ça va, il gère des choses. Hein. Ah, voilà, il remove aussi l'utilisateur anonyme, donc ça c'est cool. Ah, si, voilà, remove MySQL test. Donc c'est bon. En fait, cette partie-là de son rôle en cible fait grosso modo la même chose que, et même un peu plus, je dirais, que la commande MySQL Secure Installation qui, elle, est interactive. Donc j'imagine que essayer de lancer l'exécution de ça est pas très idempotent pour reprendre le credo des gens qui font de l'Ansible. Bon, eh bien, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, hein, en fait. Il n'y a plus qu'à. Alors, est-ce qu'il y a besoin de rajouter des choses? Oui, il y aura besoin de rajouter des choses. Je vais rajouter ça, tiens, en... hop, alors. Hop là, on va aller se mettre ici. Hop. Je vais dire ça. Et par contre, si web ouais, PHP, alors le enable une boot true. Ah. Alors j'ai très envie, là du coup, je vais vouloir rebooter ma machine, celle-ci. Parce que Nginx qui ne démarre pas au démarrage et PHP qui avait l'air aussi cramé au démarrage. Je trouve ça bizarre. Donc je vais le rebooter. Hop là, voilà. On va faire un petit ping et puis on va attendre que ça revienne. Remarquez, je sais même pas si le ping est autorisé dans le firewall par défaut. Mais sachant que c'est une Fedora Cloud, le firewall n'est pas présent. Donc ça devrait pinger. T'en fais des choses, hein, mine de rien. Ah, c'est qu'il a déjà rebooté ou c'est que... Ah bah oui, il est déjà. Uptime, 0 minutes. Ok, super, allez. Pgrep Nginx, il n'y a pas. Pgrep PHP. Ah si, il y a des processus PHP. Ouais, il y a le pool, bah, il y a le pool DWA, parfait. Est-ce que par hasard, est-ce que c'est juste que Nginx n'a pas encore démarré? Loader. Ah, il est disable. Donc, il va peut-être falloir s'assurer que dans notre code Ansible, que Nginx est bien activé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder du côté de Ansible Galaxy. On va aller regarder un peu la. Parfait. Nginx, Nginx Core. Non, ça, c'est une collections. Hop. On va aller directement dans le rôle. Ça doit être Nginx config. Je vais quand même regarder Nginx tout court. Parce que je crois que j'ai surtout mis Nginx config. Import. Hop. Import role. Ah, j'ai mis les deux. Core Nginx et Core Nginx config. Allons-y. Si je vais regarder dans le GitHub repo sur la config, j'ai des variables. Hop, ici, main.yaml. Et il n'y a rien. Oups. Alors, est-ce qu'il me raconte des choses? Molécule, Ansible Galaxy, Nginx Point, d'accord. Rôle variable, alors, main, ouais, main.yaml. Ah. Nginx config start. Start Nginx service, ok. Nginx config cleanup false. Ok, là il y a Nginx config start. Alors est-ce que je l'aurais mis à quelque chose? Non, j'ai rien du tout. A priori, sa valeur par défaut est à true, donc c'est plutôt rassurant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est Linux. Bon, ça c'est bon. Template, ça c'est les. Ça c'est pour créer une page. Ouais, c'est ça. HTML démo, d'accord. Ça on l'avait fait, c'était marrant, je trouvais. Upload. Ah.
config upload enable, nanana. Ouais, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Example playbook. Mm-hmm. Je suis pas sûr que ce soit dans le Nginx config. Hein. À mon avis, il faut aller dans le Nginx core. Donc, on va aller regarder dans le Nginx core. Enfin, dans le Nginx, du coup. Hop. C'est ça, j'ai mis quoi comme, comme import. Il est où le... Hop. Ah oui. Nginx core, Nginx. Voilà. Readme, nanana, nanana. Alors. Alors là, du coup, on a carrément le main.yaml, donc c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Voilà, Nginx enable, il est à trou. Nginx start, il est à trou. Ils sont en default. Je vais le rajouter. Je vais les rajouter. Manage repo false, install from OS repository. Ok. Ah oui, j'ai les var qui sont ici. Bon, je pense qu'il faudra que j'améliore quand même ce truc-là. Donc... Hop là. On va mettre ça, même si c'est le default. On va voir ce que ça donne. Et le Nginx start à true. Hop. À moins que je l'ai mis à false quelque part, mais on n'a pas vu de start. Voilà. Non, 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 on ne l'a pas. Ok. Je vais relancer, tiens, sur cette machine-là. Hop, je vais relancer alors, SRV, non, SRV git, voilà, là, Ansible. Grep playbook. Hop, voilà. Donc. Non. Allons-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et donc, ça va être dvwa.yaml. Remarquez, si je lance là. Alors, on va se déconnecter du SSH. Hop, on va le mettre ailleurs. SRV git, hop, Ansible. Voilà. Et pendant ce temps, ici je vais me reconnecter ISP3VPS1.example.com. Donc là, au moins j'ai le truc. Ah, tiens, si, on va faire un watch moins n 10. Et on va faire un sudo. System CTL, CTL status Nginx. Donc là pour le moment Nginx. Ah il est actif, tiens. Donc c'est qu'il a mis un petit moment à se démarrer. Donc si jamais je reviens. Il est où mon Firefox? Voilà, il est là. Donc si je reviens hop hop ici. Bon ça c'était déjà le truc. Mais si je reviens là. Ah non, je l'ai pas. Connexion échouée. Ah oui, ça c'est le VPS 1, c'est pas le VPS 2. Hop, je ne suis pas au top de ma forme ce soir. Allez. Voilà, là par contre, effectivement, disable, vendor preset disable, donc il est juste loaded, mais pas, pas inactif. D'ailleurs, il est inactif. D'ailleurs, je crois me rappeler, on peut faire un truc, hein, sudo systemctl, je crois que c'est is-active. Nginx. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, hop, c'est faire un watch de tout ça. Donc c'est très pratique si jamais un jour vous voulez scripter un truc pour une raison ou une autre avec, avec systemd, plutôt que de faire un systemctl status et de parser la sortie en allant chercher le mot active, bah vous pouvez juste faire un systemctl isActive et vous avez juste un mot où c'est juste écrit inactive ou active. Donc à parser, c'est beaucoup plus simple.
Alors, donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de lancer le truc Ansible Playbook et ensuite d'aller voir quand est-ce que mon Nginx passe en actif. Alors, déjà, the role may... Ah, bah oui, forcément, faut que je l'installe. Faut que je l'installe. Alors, c'est quoi, c'est Galaxy Token? Non. Requirements.yaml. Ah, collections. Est-ce que je... Comment j'avais fait pour installer le rôle déjà? C'était pas un genre un Ansible Galaxy, un truc comme ça? Ansible Galaxy install -r requirements. Allez. Collections. Ah oui, mais c'était pas une collection, c'était un rôle. Est-ce que je peux faire roles dans les requirements? Ansible. Add roles. Salut à toi, Morpheus! Ben je t'en prie pour le type sur isActive, il n'y a pas de souci. Alors, oui, c'est possible de rajouter... Ah, les rôles dans Ansible, dans le requirements. Add role requirements. Ah non, c'était pas dans roles, c'était... Parce que là, en fait... Oula, qu'est-ce qui se passe? Si, voilà, c'est bon. J'ai un requirements qui est ici. Et il y a juste... Il y a juste les collections et je me demande s'il y avait moyen de rajouter des rôles. Quand tu fais un requirements... Ah ouais, mais toi, t'es dans Ansible Tower. Là, je suis pour l'instant, je suis sur l'Ansible de base, moi. Ah, tu as un collections. Alors, est-ce que là-dedans, ils ont un requirements? Non. Alors, Ansible requirements.yml. Alors, si on se met à partir sur Stack Overflow... ouais, role install moins FG... Ah, ouais, ok. Mais ça, c'est... Ah, faudrait que je crée un rules requirements.yml. Ok. Bah écoute, moi ça me pose pas de problème, hein. On a un rules. Et donc, il ressemble à quoi le requirements.yml? C'est quoi son format? Merci pour le follow, Subi. Merci à toi. Ou Subi, je sais pas. Tu me diras comment ça se prononce. Hop là. Alors, dependencies. Ah, ok. Ok, allez. Ok, donc ici, en fait, je mets role. Hop, et là je peux faire pareil. Donc je peux lui mettre .nginx. On a dit config. Hop. On a dit girlingguy, je crois. De toute façon, c'est très simple. Hein. Girlingguy.php. Girlingguy. Hop. .php. Bah merci beaucoup, Cool Geek. Hop, php-mysql. Et MySQL tout court. Voilà. Et donc, si je comprends bien, on fait un Ansible Galaxy. Voilà, install-r requirements.nt. Ok. Merci beaucoup à toi, Firestorm, pour le follow. C'est très gentil. Allez, allons-y. Ansible Galaxy install -r. Hop.
rules requirement. Hop là. Il va peut-être chouiner. Non, erreur. Alors, il n'a pas été installé. Gna gna gna. En sachant que j'ai déjà la collection, ce qu'on va peut-être faire, c'est... on va peut-être les virer. Hop, pour l'instant. Alors. Ah, donc là, on est bon. Ok, cool. Ah, la classe. C'est parfait, ça. C'est parfait. Alors, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux lancer mon... Je vais peut-être commencer, ouais, je vais peut-être lancer mon truc, du coup. Je pense qu'il va encore se dire... Ah non! J'ai été mauvaise langue avant même de voir le truc, je me suis dit, oh, il va se planter, il va se planter. J'ai une de ces confiances en moi ce soir, c'est fabuleux. Par contre, là, il est en train de me raconter des choses. Ouais. Je crois qu'il y a eu une mise à jour de DVWA et qu'il vient de me récupérer la mise à jour. Ah, mon petit info.php que j'avais fait avec amour. Mais bon, je l'avais fait à la main et ce qui m'importe, c'est quand même d'automatiser tout ça. Ah, fail. Fail. Ah oui, parce qu'il veut... Je lui ai dit d'importer le truc MySQL ? Non. Hop là. Ah bah oui. Alors, ce qu'on va peut-être faire... c'est qu'on va... on va commenter ça, je pense. On va commenter ça. Alors, hop, voilà. Et puis, on va reprendre. Mais avant de reprendre, je voulais juste vérifier si je fais... Ah non, il est toujours inactif. Ok. Bon, bah écoute, c'est reparti pour un tour. Allez. Ligne 113, colonne 5. Ligne 113, colonne 5. Ah, pour lui, c'est un dupliqué. Ok. Donc bon, ça, c'est du déjà... on va dire du déjà vu. Alors. Ah, j'ai vu un Nginx, un truc ensure Nginx is running. Toujours inactive. C'est chelou cette affaire. Je suis un peu... Ouais, il crée les poules FPM, ok. Bon, ça, on le savait déjà. Et il me fail toujours. PHP, MySQL. Mais je pensais avoir mis le truc en commentaire. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va lui dire oui, vas-y, installe-moi un MySQL. Alors, Cool Geek, à quel point j'ai confiance? Alors, pour l'instant, j'essaye de, effectivement, de comment dire. Je ne veux, alors, d'une part, je ne veux pas réinventer la roue, et chaque fois que je cherche un nouveau truc, je prends pas forcément le premier venu, mais j'essaye de prendre un truc. Un peu comment dire, un minimum reconnu. Et en fait, pour l'instant, dans mes dans les trucs que j'utilise sur Ansible Galaxy, hop, roll. Donc ça c'est à moi, ça c'est à moi, et tu vois que j'utilise des trucs de chez Jeff Gerling. Et Jeff Gerling, il a écrit un bouquin sur Ansible. Il a des vidéos YouTube sur Ansible. Il a l'air de gérer plutôt bien le truc. Il a une communauté assez solide.
Tiens, d'ailleurs, le Web Server Nginx Demo, ça c'est moi. Et comment dire, la partie. Si je vais dans les collections, j'ai installé celle de Nginx, comment dire, de l'entreprise Nginx. Bon, qui maintenant appartient à F5, mais de l'entreprise quand même. Donc, normalement, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait mis un truc, comment dire, un truc moisi dans le code de Jeff Gerling ou dans le code de chez Nginx, je pense que pour l'instant, j'ai été assez, assez safe sur mes choix de Ansible Galaxy. Néanmoins, Cool Geek, tu fais bien de poser la question. Tu fais très bien de poser la question. Parce que effectivement, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Que quand tu as comme ça des trucs un peu. Comment dire, des trucs un peu. Des trucs comme ça communautaires où n'importe qui peut proposer des choses. Et en plus, on l'a vu tout à l'heure quand j'ai regardé pour justement pour trouver un rôle MySQL. J'ai regardé un rôle MySQL ou MariaDB, j'ai vu qu'il y avait des trucs, qui étaient relativement utilisés par plein de monde. Et je me suis dit, bah attends, j'ai déjà utilisé des trucs de chez Jeff Gerling. Je vais regarder, il a fait un Apache, il a fait un PHP, il a fait un PHP MySQL. Bah, peut-être qu'il a fait un MySQL. Et a priori, le truc existe et il s'en. Je pense que s'il l'a fait, il l'a fait au moins pour lui. Et donc il s'en sert, donc il le maintient. Donc si un jour il voit qu'il y a un souci avec, un bug, une vulne, il va le corriger. Hop, fini la tisane pour ce soir. Alors, ton taf a des licences Red Hat, tu prends sur leur hub, c'est vérifié et supporté par Red Hat. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Si tu as du support, de prendre les trucs qui sont supportés. Ça explique pourquoi aussi tu te sers d'Ansible Tower. mais effectivement, si j'avais des trucs avec des licences Red Hat, oui, j'irais taper dedans. Après, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément des licences Red Hat. Puis là, moi, je suis en environnement Fedora. Alors si en plus j'installais des trucs, supportés Red Hat et que après j'appelle le support Red Hat, allô, vous êtes sur RHEL 8 et RHEL 9? Non, je suis sous Fedora 36. Mais monsieur, on ne supporte pas Fedora. Bref. MySQL enable un startup, c'était quoi ça? Parce qu'il m'a viandé le truc en disant no package PHP MySQL available. Ah. Donc c'est sur le PHP MySQL. Ah bah alors attends. Pour le moment, on va aller gentiment lui dire. Puisque ce qui m'intéresse, c'est surtout de faire tourner dans un premier temps. Même si j'aimerais bien pouvoir lancer un serveur MySQL MariaDB ce soir. Je voulais quand même au moins vérifier que mon Nginx peut se relancer. Ou se lancer tout court. Bon, passage en lurk. GW2. Je suppose que c'est Guild Wars 2. Alors, petite anecdote, j'ai joué au premier Guild Wars. J'ai gardé la boîte d'ailleurs. J'avais filé le compte à quelqu'un, une connaissance. Je sais même pas ce qu'il est devenu ce compte, mais à mon avis, Guild Wars 1 a dû être débranché, je pense. Donc, j'ai gardé la boîte, c'est la boîte collector. Mais j'ai la bande originale du jeu, que je n'écoute plus, bien entendu. Mais elle était pas mal. Guild Wars 2. Bah écoute, amuse-toi bientôt aussi sur Guild Wars 2. Il est toujours accessible le premier Guild Wars? Ah! Et il y a tout. Oh! Je sais pas, peut-être que. C'est une personne que j'ai perdu de vue, donc je sais pas si c'est forcément une bonne idée que je la recontacte. Mais bon. Pour savoir si la personne joue toujours. Ça reste très faible, mais on croise quelques joueurs. Voilà. Non, moi j'ai. J'ai passé un petit peu de temps sur Guild Wars et après, très vite, je suis tombé dans World of Warcraft. Je n'ai arrêté mon abonnement WoW que cette année. Enfin, j'avais fait une pause de 6 mois à un moment. Puis après, je l'avais repris. Et puis là, je l'ai arrêté et je sais pas quand est-ce que je vais le reprendre, mais.
Mais honnêtement, dans l'immédiat, ça me donne pas très envie ce qui se passe avec Blizzard. Petit aparté jeu vidéo. Alors, a priori, on a eu des changements. On a eu un skip. Alors. Ah zut, j'ai pas pensé à faire sauter mon log. Est-ce qu'il a démarré au moins? Non, il est toujours inactif. C'est chelou cette affaire. C'est bizarre ce truc là. Alors, ce qu'on va faire. Log, log, log. Donc c'est dans. Slash tmp ansible.log. Alors. Voilà. Et ensuite, on va lancer. On va relancer le truc. Et ce que je vais peut-être faire, c'est un petit tail-f comme ça de slash tmp ansible.log. On va attendre. Hop, on va lancer ça. Et hop, voilà. Donc normalement, vu que je relance le truc, il devrait pas se passer grand-chose. Je pense que je vais peut-être... Alors, vu qu'il est déjà 21h10, je vais peut-être pas passer non plus ma soirée sur essayer de faire marcher Nginx par défaut, parce que j'espère quand même pouvoir faire un peu de MariaDB. On pourra toujours voir ça à un autre moment. Ah, j'ai cru voir un Nginx running, tiens. Alors. Ce que je vais faire, hop, je vais passer sur un less. Hop. Slash running. Alors. Task, Nginx, Nginx config, ensure Nginx is running. Ok. Pourtant, il est toujours inactif. Chelou cette affaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je pense, un truc un peu cochon, peut-être. Je suis en train de me demander si je vais pas carrément faire une task. Non, pas une task. Je vais quand même pas faire ça. Bon, je vais laisser comme ça. Je vais lancer Nginx à la main. Et je vais revenir dessus plus tard. Ok, là il est actif. Donc c'est même pas une question de genre de problème de comment dire de genre de syntaxe qui serait pas bonne. Alors maintenant essayons de essayons d'ajouter ce truc là. Donc là ça va se viander. Remarque, non pas celui-là. Celui-là. Alors pourquoi? Parce que je veux d'abord voir les erreurs de MySQL et après pour le PHP, pour le package PHP MySQL, ça devrait être relativement simple. Une 113, colonne 5, une duplique. Ah, c'est encore ça, ouais, ok. Il y a du monde ce soir, il y a même Top Clean en plus. Mais bon. Tradition, ce sera de raider rancune. Alors, tu peux pas mettre plusieurs names dans le même import role, il n'en verra qu'un. Ah, ok, ceci explique cela. Re-cookies. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il se plaint. Hein. Mais remarque, là, j'ai un girlingguy.php qui est en import. Ah, c'est parce que je lui dis d'importer le rôle ici. Et comme je l'ai balancé dans le requirements. Ah, si ça se trouve, il chouine. Define MySQL. Alors, attendez. On va se mettre ici. Et on va rajouter roles requirements.yaml. Parce que là, ouais, j'ai les roles girling. Ouais, mais alors. Ah.
Bah, pourtant, quand j'avais. Ça indique donc il ne verra qu'une seule. Bah, c'est pour ça qu'il chouine en fait. Il chouine, il dit au fait le truc il est défini deux fois, mais il passe outre. Par contre. Donc une option avec une. Ok. MySQL packages. Donc il faut que j'aille vérifier sur. Il est où le truc? Ansible role MySQL. Hop, voilà. Et normalement il va dire. Et au fait, il faut. Faut au moins faire quelques petits trucs. MySQL packages is undefined. Ok. Alors, je vais jeter un œil sur un petit sudo dnf search MySQL. Oula. MySQL Connector, MySQL Tuner. Je pense que ça va être MariaDB maintenant. Je dis, je vais faire clairement un info MariaDB. C'est ça, MariaDB et MariaDB-server, je pense. C'est ça. Donc, en fait, ici, il va falloir que je rajoute des variables. Et que je dise MySQL packages MariaDB hop MariaDB serveur. Voilà. Et là normalement si je relance mon binou, juste effacer ça au cas où. Et là normalement il devrait se planter un petit peu plus loin. Donc oui effectivement il dit que. Il dit que c'est duplicate. Tiens, j'essaierai de le commenter tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Bon, c'est un peu dommage, du coup, il recommence depuis le début, mais c'est parce que j'ai pas mis de tag pour lui dire recommence seulement à partir de cette partie-là. Donc il recheck quand même les choses. Il nous refait du coup certains trucs, là il les recommit. Ce qui fait qu'il y a toujours des changements. Faudrait que je vois un petit peu sur les trucs de repo Git un peu comment. Comment garder le truc un peu idempotent. Donc, il s'est viandé. Alors, il a installé les packages, je suppose. Enfin, ils sont définis. Ok, define MySQL daemon. Ah, encore celui-là à gérer. Override. Ah, d'accord. C'est bizarre ça. Alors, du coup, est-ce qu'il m'a installé quelque chose? Non, il n'est pas installé. MySQL daemon undefined. Le truc, c'est que si j'installe à la main un MariaDB. Il va pas me l'installer. Donc si je lui dis ici MySQL daemon, et à mon avis ça va être MariaDBD. Alors, salut à toi Morphix. Alors, ce qu'on fait de beau, c'est qu'on fait un peu d'Ansible. Et j'essaye de mettre en place un serveur de base de données MariaDB via Ansible. Parce que j'ai déjà un Nginx et un PHP. Alors. Bah, je vais tenter MariaDBD. Tiens, MariaDBD. Hop là. On va voir si ça passe. Hop, alors, je vais juste. Oui, je disais que je voulais voir. Hop là. Ici, on a. Ah oui, on a les rôles dans les requirements. Salut Kambesh. Non, j'utilise Vim. J'utilise Vim.
Alors, on se disait que, il me disait ligne 113, ça c'est du. Ça c'est du. Ce serait du déjà, déjà mis ailleurs. Hop, allez. Et je t'en prie, un Morphix pour l'explication. Alors j'hésitais à faire un autre truc ce soir, j'en parle comme ça à l'occasion vu que je suis en train de dérouler le playbook. J'ai remarqué qu'il y a, il y a le projet Signal là, qui disait au fait on a besoin de plus de proxys pour aider les gens, notamment en Iran. Et j'hésitais à faire une démo d'installation d'un proxy Signal. Alors si jamais vous ne savez pas, Signal en fait c'est une messagerie qui se veut, une messagerie instantanée qui se veut entre guillemets sécurisée, ou en tout cas un peu plus sécurisée que les autres. Les autres étant donc les messageries classiques pour smartphone comme, Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, les trucs, je crois qu'il y a QQ aussi, ou WeChat, non pas WeChat. Ah si, peut-être, je sais plus. Mais bref, vous voyez le genre. Et donc il est possible de configurer l'application Signal pour passer via un proxy au cas où il y aurait des systèmes de censure. Ah, tu veux apprendre Emacs. Eh bien, pour être complètement transparent avec toi, Kembesh, je ne connais absolument pas Emacs. Bonsoir à toi, Yoda. J'espère que tu as passé une bonne journée. J'espère que les autres ont passé une bonne journée aussi. Alors, slow query log file. Ah, il va vraiment falloir tout définir. Default value depends on OS. Ah bah elle est undefined. Ouais, c'est peut-être parce que c'est de la Fedora et pas de la CentOS ou de la. Ok. Bon bah on va aller. On va aller rajouter ça. Tiens d'ailleurs, ce qu'on va peut-être faire, c'est. Ça, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Hop. Hop, voilà. Oh bah oui, moi ça va. C'est quoi le chemin par défaut du slow query log file? Parce que franchement, j'ai pas envie de m'embêter. Bon, je craque. On dira rien. C'est juste pour voir. De toute façon, à un moment, à la fin, entre guillemets, quand j'aurai, enfin, j'espère quand j'aurai fini de mettre en place la machine, ce que je voudrais bien, c'est ensuite justement la détruire et la réinstancier et voir si tout le playbook marche d'un coup. Alors. Hop, alors. Ok. Varlog. Ah, il y a un Varlog MariaDB. Et pour l'instant, il n'y a rien. Et si je tente un sudo systemctl start MariaDB. Geek, t'as l'air surpris par ce que j'ai fait. Je comprends. Ça m'embête aussi, mais j'ai pas envie de perdre 2 heures à me demander où est le. À me demander où sont les logs. Ok, il a démarré. Donc il y a juste un mariadb.log. Client.cnf, c'est intéressant. MariaDB serveur. Alors, il y a un log error.
Bon, bah je sens que ça va être. Hop, allez. MariaDB slow queries log. Alors, slow query log overview. MariaDB knowledge base. C'est bien ça, slow query log. Ouais, enterprise. Ah, bah oui, forcément. D'accord. Et il dit pas quel est le défaut. Ah. Oui, donc il dit Verilog MySQL, mais ok. On va faire ça. Hein. De toute façon, on a un Verilog MariaDB. Voilà. Ah zut. Hop. C'est pas ça que je veux. C'était ça. Voilà. Allez, c'est reparti. Ah, il va peut-être chouiner parce que MariaDB est déjà lancé en fait. Je vais le couper pendant que je le peux encore. Voilà. On n'a rien vu. Ça reste entre nous. Hein. Limite, alors, comment dire? Je pense que faire deux choses à la fois, c'est probablement le meilleur moyen de faire mal les deux. Hein, mais j'étais en train de me dire, et pendant que ça démarre, enfin, pendant que ça mouline, est-ce que je pourrais pas en profiter pour gagner du temps sur le stream de dimanche prochain? Parce que le stream de dimanche prochain, je voulais continuer ce que j'ai fait dimanche dernier. Dimanche dernier, je m'étais mis à faire du CTF sur TryAcme, mais on s'était rendu compte qu'il valait mieux que je me déploie une machine virtuelle Kali Linux sur mon poste, plutôt que d'utiliser la attack box virtuelle du service TryAcme. J'étais en train de me dire, pendant que ce truc-là, je pourrais peut-être, pendant que le truc-là tourne, je pourrais peut-être lancer une install de Kali Linux. Mais MySQL log error. C'est ma parole, mais il va toutes les vouloir une à une. Je vais peut-être essayer de. Alors MySQL log error, et de toute façon, ça va être var log MariaDB. Hop. Et on va lui dire MariaDB-error.log. Hop. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre côté. Alors. Le MySQL enable on startup. Je sais pas si. Si, il est là. Il est à trou. Ok. Les packages, ok. Parce que du coup. Ah ouais, il a dû me mettre. Log file group. Bah MySQL, ok. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, le MySQL log, MySQL... Ah! Donc a priori il aurait ça. Slow query, on va quand même le mettre à false. Ah non, le slow query log. Ah, il aurait peut-être fallu que je le mette à... On verra bien après. Parce qu'a priori, il n'y a plus rien. Ce serait... Ah si, il y aurait le socket et le PID file. Qui risque de chouiner. Parce que pour le moment. Ah. Hop là. Pour le moment, il a chouiné sur MySQL log error. Ce que je viens de lui donner. Et alors, MySQL socket, alors. Inactive, ok, bon, on va te démarrer. Hein. Hop. Salut à toi, viewer Casu. Eh ben, écoute, j'essaye de mettre en place un serveur MariaDB via Ansible
pour une machine sur laquelle il y a déjà un Linux, un Nginx et un PHP. Dans le but d'installer une web app. Et tout ça, donc, via Ansible, en automatisé. Var run. Est-ce qu'il y aurait un MariaDB qui traîne? Oui, il y a un MariaDB qui traîne. Hop. Et ce serait MariaDB.pid. Donc, var run MariaDB. Hop là. Var run MariaDB. MariaDB.pid. Hop. Ok. Et ah bah non, ça c'est le c'est pas le socket, ça c'est le PID file. Donc c'est le socket ensuite que je vais vouloir. Hop. Alors le socket s'il est pas dans var. Var. Hop. Non, pas dans var spool. C'est où déjà les... Parce que là j'ai un point soc effectivement. Moi iname, j'ai dit moi iname étoile.soc. Bizarre ça parce que. C'est quand même bizarre qu'ils trouvent même pas le fpm dwwa.soc. Chelou cette affaire. Ah, c'est type F, je me suis trompé, c'est type S qu'il faut mettre. Voilà, slash run, ok. Ok, varlib mysql mysql.soc. Hop là, voilà. Tada! Ok, ça c'est fait. Et tu disais trop cool, il faut que j'apprenne un petit peu justement. Bah je t'en prie. Alors je sais pas si tu... viewer casu, je sais pas si tu... si tu as déjà vu, mais en fait, j'ai... en fait, ce que je mets là, je le mets dans un dépôt sur GitHub, hop, qui est ici, qui s'appelle la base code. Je vais d'ailleurs remettre le lien dans le chat. Hop, comme ça, ce sera plus simple. Et donc dedans, tu vas trouver du Cloud Init, mais tu vas trouver aussi du Terraform et de l'Ansible. Donc j'espère que ça t'aidera, en fait. Allez, c'est reparti pour un tour. Et pendant ce temps, oui, j'étais en train de dire que bah, j'aimerais bien dimanche refaire... continuer le CTF que j'avais démarré la dernière fois. Et écoute, à ton service, si c'est dans les faves, je t'en prie, jette un œil. Comme on dit, les contributions sont les bienvenues. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai encore des pull requests sur des trucs autres qu'il faudrait que je regarde. Mais bref, je m'égare. Je disais donc à la base que dimanche dernier, on s'était fait un petit CTF. En la présence de notre sympathique Top Clean, que je vous invite à aller poser un follow de ma part. Malheureusement, on stream en même temps ce soir. Mais en dehors de ça, en plus, en ce moment, il essaie de builder une LFS quand il fait pas du CTF. Alors, hop, 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 hop. Ah, c'est à cause de lui que t'es là. Oh, il est gentil, Top Clean. MySQL syslog tag undefined. Bah oui, mais en même temps, syslog, je... Default value MySQL log. À la limite, vu que le MySQL log est pas configuré par défaut, je vais lui mettre une valeur. Ça se trouve, ensuite, il va dire, au fait, t'as pas besoin du syslog. Et du coup, ce sera varlog mariadb. mariadb.log. Allez, c'est reparti.
Oui, vous streamez souvent en même temps, c'est terrible. Ah bah Viewer Casu, en plus il stream pas mal, je trouve, Top Clean. Mais oui, effectivement. Hey, merci beaucoup pour le follow, Morphix. Merci à toi. Je sais que c'est pas évident, c'est pareil. Il y a Rancune qui stream en même temps que moi le jeudi. Et c'est pas facile, et c'est pas de gaieté de cœur qu'il fait ça. Il savait avant de se mettre à streamer le jeudi qu'il allait se retrouver sur le même créneau que moi, mais il avait pas trop le choix, il avait pas d'autres dispo pour faire son stream de la semaine, puisque Rancune, lui, il fait les jeudis et les vendredis. Non, il en veut. Ah, il veut toujours un MySQL 6 log tag. Oh, mais tu m'embêtes! Écoute, je vais le rajouter, mais franchement, je... Non, là, hop, tu m'embêtes. Bah écoute, MariaDB. Je sais pas si ça passera, mais voilà, hop. Hop là. On lui en veut pas, sans rancune. Ouais, non, mais t'inquiète, je comprends le jeu de mots, magnifique, bravo Cool Geek. Rancune et feed code, mais j'imagine... Bah oui, c'est ça. Et en plus, alors moi déjà à la base, en fait, quand j'ai démarré à streamer, je streamais les mercredis et les dimanches. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un de très bien qui streamait déjà les mercredis. En l'occurrence, c'est Yorzian. Pareil, si vous le followez pas déjà, allez poser un follow de ma part. Yorzian, il vaut le détour. Et justement, parce qu'il y a certains et certaines par ici. Qui suivaient Yorzian avant de me suivre. Je me disais, c'est quand même un peu dommage que je leur fasse choisir. Puis bon, je me fais pas d'illusions, hein, entre Yorzian et moi, ils allaient sans doute choisir Yorzian. Je me suis dit, bon, bah, je vais bouger mon stream. Et en plus, pour couronner le tout, il y a même Emile qui s'est mis à streamer. Avant que son open bar soit le mardi, il l'avait mis le mercredi. Donc je me disais, le mercredi, si je veux qu'il y ait personne, voilà, je stream le mercredi. Donc je me suis dit, je vais déplacer au jeudi. Finalement, il y a Rancune le jeudi, il y a Top Clean le jeudi. En fait, si je veux essayer de streamer quand personne d'autre ne stream, bah, à un moment, autant, enfin, c'est à ce compte-là, autant ne jamais streamer. Alors, MySQL config, mais en fait, il va me demander toutes les confs, là. Hop, alors... C'est etc my.cnf. My.cnf. Le créneau de 2h-4h du matin, tu crois qu'il y a de la place? Ah, je t'avoue que je sais pas si je vais pouvoir. Le créneau de 2h-4h du matin, je me demande s'il n'est pas pris par des gens qui sont de l'autre côté de la planète. Oh, vous seriez fichu d'être en train de regarder, je sais pas moi. Hop, ah si, il était là le maille.cnf, il était en point. Ah, flûte. Allez, grep maille. C'est moche, mais ça passe. Oui, donc c'est ça, maille.cnf. Alors, est-ce que c'est le client-serveur? Ah. Hop. MariaDB serveur. Ah, à moins qu'ils disent juste le MySQL config file. On va tenter celui-là. À cette heure-là. Tu regardes la face cachée de tes paupières. D'accord. Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Oui, c'est vrai que c'est pas évident de trouver un créneau. Où les autres ne sont pas déjà en train de streamer. Enfin, il y a toujours quelqu'un en train de streamer quand je suis en train de streamer, en fait. Celui-là, si je veux regarder, par exemple, si jamais je voulais lancer un raid dès maintenant, il y a Rancune, il y a Top Clean dans les trucs que je follow. Il y a Tweet, vu qu'on en parlait plus tôt, les gens qui font This Week in Tech, Floss Weekly, Security Now, le réseau de podcast. Eux, en fait, ils passent en continu sur Twitch. Donc, ils font même des rediffusions. Bah, c'est logique, hein, ils sont. Puis il y a des trucs sur AWS. Mais je pense que si je vais dans le. Viewer Casu, ce qui se passe, c'est qu'en fonction du planning des autres, mais c'est aussi que des fois j'ai envie de les regarder. Hein.
Ça m'est déjà arrivé de me pointer sur des streams de 10 000, de rancune. Alors, qu'est-ce qui est MySQL config include? Hop là, allez. Il veut vraiment que je redéfinisse tout, quoi. Etc my.cnf.d. Hop, voilà. Mais voilà, c'est que j'ai aussi que j'ai envie de regarder de temps en temps. J'ai envie de regarder Yorzian, j'ai envie de regarder Emile, j'ai envie de regarder Rancune, j'ai envie de regarder Top Clean. À la limite, ces jours-ci, j'ai pas eu trop de mal à regarder Top Clean. Parce que. Parce qu'il y a eu des heures où. J'étais en train de bosser, donc je pouvais me mettre Top Clean dans les oreilles, il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est vrai que bon, faut pas seulement se dire tiens, les autres, je veux pas streamer en même temps qu'eux. Mais aussi quand les autres, j'ai envie de les regarder. Toujours est-il que c'est pas évident d'avoir un créneau qui puisse satisfaire tout le monde en fait. Bah écoute, j'ai envie de dire grand bien lui fasse, si ça se trouve il est en congé. Hein. Alors, MySQL support InnoDB large préfixe. Ok. Alors. Il aurait pas un truc là-dedans au niveau. Alors, comment est-ce que je peux retrouver les. Pourtant là je suis dans le. Si je vais. Alors, hop, on va se remettre ici. SRV. J'ai dit 8 la base code. On va dans Ansible. On roule. Parce que du coup, Girling Guy, MySQL. Hop. Tac, tac, tac. Grep. Enfin, un grep moins. IR, ça dans étoile. Voilà. Hey, merci beaucoup pour le follow cœur. Enfin, XXX cœur XXX. Merci à toi. Mais oui, c'est vrai que Top Clean en ce moment il est à fond. Mais à la limite, tant mieux si ça lui, si ça lui fait plaisir. Alors, variable.yaml. Hop là, ça me plaît. Et donc, hop. Voilà. Alors. D'accord. Et il faut que ce soit defined. InnoDB large préfixe. Je vais aller chercher InnoDB large préfixe parce que là, pour le coup, c'est pas un truc que je touche souvent dans MariaDB ou MySQL. Hop là. Ah, tu trouves que c'est plus relax? Ah, oh bah c'est cool, merci. Moi j'aime bien aussi quand c'est relax. Mais encore, il y a des fois ça l'est un peu moins, mais je crois que ouais, globalement, je pense pouvoir dire que je suis relax. Change InnoDB large préfixe. Alors j'ai envie de mettre default version, enfin default value. Default value. Hop là. Non, en fait, on va peut-être même MariaDB. Hop. Voilà. Ah, Enterprise. Oh là là. Système variable, allez. InnoDB large préfixe. Tac. Alors. Nanana, default value on à partir de MariaDB 10.2.2. Alors. La question c'est rp-q MariaDB. Hop là. 10.5. Donc la valeur par défaut c'est. Fichtre, j'ai oublié la variable. Hop là. MySQL support, voilà. Hop. Tiens, je vais mettre là. Et on a dit on. Je vais mettre du coup trou. Si c'est bien la bonne valeur. Parce que ça a l'air d'être un binaire. Un booléen, pardon. Hop, c'est reparti. Mais oui, ouais, c'est quand même sympa aussi quand c'est relax. Mais après, j'avais l'impression qu'il était pas mal interrompu, Top Clean. Enfin, je plaide coupable, j'ai des fois posé des questions ou annoncé des trucs. Et du coup, je rajoutais en quelque sorte une pièce dans la machine. Continuant l'interruption.
Alors. Mais oui, sinon, c'est vrai que ouais, il stream pas mal. Tant mieux pour lui, en tout cas si c'est ce qui lui plaît. Moi, je sais que moi, j'aime streamer. Hein, la preuve, je suis là. C'est vrai que j'aimerais bien parfois aussi faire plein de choses, streamer pourquoi pas tous les jours. Mais la problématique va être le temps qu'on met. Ah, tiens, ça y est, il a lancé les trucs. Alors. Il a lancé des trucs, mais il s'est un petit peu écroulé. On va voir ce qui se passe. Mais oui, je disais aussi, effectivement, c'est pas facile. Alors, tu connais pas Lilo comme moteur de recherche? Ah oui, Lilo. Ah ouais, effectivement, le HP Hilo, ouais, moi aussi je connais. Tu cherches un remplaçant à DuckDuckGo depuis qu'ils ont un contrat avec Microsoft. Alors, si tu cherches vraiment un moteur de recherche qui est exempt de Microsoft, dans ce cas-là, Lilo n'est peut-être pas le choix à faire. Ce qui est intéressant avec Lilo, c'est pas tant comment dire, le moteur de recherche qui est en back-end. Je crois que Quant utilise aussi du Bing derrière CoolGeek. Bah voilà, je pense que Lilo, quelque part, il est peut-être dans le même esprit que Ecosia. Mais en fait, il finance des projets. Et en fait, on gagne des petites gouttes. Alors j'avoue que pour l'instant, ces temps-ci, je les utilise pas trop, là, les petites gouttes. Mais en théorie, voilà, on peut ensuite soutenir un projet en disant les gouttes, on les attribue à un projet. Et ça donne de l'argent, en fait, à ces projets-là. Voilà, c'est le principe de Lilo. Mais pour le coup, en fait, Lilo va utiliser des moteurs de recherche autres derrière. Mais ils vont forcément faire des recherches, des, comment dire, des partenariats avec des moteurs de recherche plus, j'ai envie de dire, plus aboutis. Donc, ils ne transigent pas, nanana, c'est pourquoi, voilà, ils ont mis en place un partenariat avec Microsoft Bing et Page Jaune. Voilà, ils disent même, au fait, on a un onglet pour aller regarder chez Google si jamais vous trouvez pas grand-chose. Parce qu'ils ils avouent eux-mêmes que des fois, ça peut être un peu... Donc si tu n'as cool, enfin c'est ouais viewer casu, si jamais tu veux absolument te passer, ne pas utiliser le moteur de recherche de Microsoft, malheureusement Lilo l'utilise. Après, d'après ce que j'ai compris, voilà, ils sont avant, ils sont en frontal et voilà, bon. Tac, tac, tac. Mais sinon, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser DuckDuckGo aussi. J'ai cru comprendre qu'il y avait des histoires avec eux. Justement, je crois qu'ils utilisent aussi Bing des fois. Bon. C'est pas évident en ce moment, j'ai l'impression d'être un moteur de recherche. Alors, CoolGeek. Ah, d'accord, DuckDuckGo utilise Bing par défaut aussi, ok. Mais je serais curieux de. Sauf s'il y a un bang. Pas mal, pas mal. Bien joué, Cool Geek. Faut vraiment que je mette un petit jingle pour les blagues. Donc, on avait un service. MariaDBD. Ah, bah oui, je crois que je m'étais planté dans le truc. MySQL Daemon. Ça doit pas être MariaDBD. Ça doit être MariaDB tout court. db-server. Hop, alors. On va enlever le iql. Hop, et alors, on a un usr bin. usr bin, mariadb, d-safe. Ça va être peut-être ça. Sur psavix, grep, maria. Ou alors c'est juste MariaDB parce que c'est le truc à système CTL. Donc tiens, je vais le tenter juste MariaDB. Hop. On va bien voir ce que ça donne. Hop. Et c'est reparti.
Alors, le problème, c'est pas qu'ils utilisent Bing, c'est surtout qu'ils vendent des infos. Ah, j'ai pas tout remis, sachant que les points d'exclamation bang, donc DuckDuckGo, permet de rechercher sur Wikipédia, Google. Viewer Casu, t'es en train de dire que DuckDuckGo, alors je crois que j'ai pas suivi, je me demande s'il n'y a pas eu un petit drama à cause de ça. DuckDuckGo revend des infos, finalement? Alors qu'ils sont pro vie privée, c'est ça? C'est pour le coup. Ah, c'est Quant. C'est Quant qui revend les infos. Et sinon, question à 2 balles. Yahoo, ils ont encore un moteur de recherche? Et oui, ça existe encore. Ah, tiens, Yahoo fait partie. Ok, bon, je vais refuser. Et si je tape, moi, je sais pas. Bah tiens, on va faire Ansible. Ok. Ouais, nanana. Et est-ce qu'en bas, il y a un truc du genre. Ah, voilà. En bas, il y a écrit. Alors, je vais le zoomer. Hop. Et je reviens ici. Et voilà. Powered by Bing. Donc Yahoo n'est même plus son propre. Ils ont même plus leur propre. Leur propre outil à eux. Ils sont juste un front-end de Bing. GG Microsoft, hein, ils ont réussi à placer leur pion. DuckDuckGo, Yahoo. Mince. Bah, du coup, Lilo, c'est pas mal. DuckDuckGo Browser allows Microsoft trackers due to search agreement. Ah bah oui. Ah bah oui, je. Hop. Alors, on va copier le lien. Alors, heureusement, ça c'est un navigateur entre guillemets jetable. Hop là. uBlock, uMatrix. Ouais, mais bon. Cool Geek, il y a des fois, c'est pas. Il y a des gens qui ont pas envie de s'embêter à installer ce genre de choses. Hein. Je me doute que pour des gens comme nous, c'est simple, mais pour d'autres. Salut à toi, Faire Dodo! Ok, donc effectivement, pour poster les Microsoft Trackers and Third Party Site. D'accord. Ok. Ouais, bah, ils ont dû passer un accord et à un moment. Microsoft a dû leur, comment dire, a dû leur faire un petit truc. Alors, par contre, il va peut-être falloir que j'avance un peu. Je pense que du coup, je finirai pas ce soir parce qu'il est déjà 21h51 et généralement, l'objectif, c'est un peu de terminer à 22h. Alors, objectif que je n'ai pas toujours tenu, mais j'aimerais bien ce soir le tenir. Unable to start MariaDB. Ah non, toujours pas. Bah si. Ah non, il a fail. C'est pas pareil. Il a trouvé le truc, mais il a fail. Donc maintenant, il faudrait que je vois pourquoi il a fail. Donc il a dit qu'il a fail parce que. Ambiguous, option, moins moins log, var log, MariaDB, MariaDB, log base name. Bah alors. Ah. Start MariaDB. Non. Donc c'est effectivement le. Alors, c'est où, c'était quoi le truc sur lequel il chouinait? Il disait moins moins log. Il disait que le moins moins log. Log base name. Ok, il était pas content du moins moins log. Alors, log égale log error. Du coup, je committerai pas ce soir. Je committerai quand on aura fini. Ah tiens, ça a démarré. Je committerai quand ce sera fini. Ok. Est-ce que j'ai déjà utilisé Ansible Navigator au lieu de Ansible Playbook? Absolument pas. Absolument pas.
Il est où le log? Il était ici. Alors, ce qu'on va faire, hop, pour l'instant, c'est juste comme ça. Hop, hop. Et on va le relancer le truc et ce sera sans doute le dernier du soir. Je connais même pas du tout Ansible Navigator, Coolgy. Je ne sais pas ce que c'est. C'est l'occasion d'apprendre, hein, tu me diras. Alors, roulement de tambour. Alors. Et du coup, il faudra aussi que je corrige cette histoire avec Nginx qui démarre pas au démarrage de la machine. Ce qui m'embête un peu. Allez, dépêche-toi, Ansible. Alors, il y en a un. Les packages MySQL, c'est bon, ils sont installés. Hein. Hop. Copier la conf. Ok. Voilà. Il a dégagé le truc de log. Et alors, couldn't resolve module action MySQL user. MySQL user. Bah, de toute façon, MySQL user, ça va être MySQL. Allez, on va le faire vite, celui-là. Parce que si c'est juste ça, hop, ça devrait le faire. Mais c'est vraiment le dernier. Hein. Allez. Hop là. Allez, courage. Courage, Ansible, tu peux le faire. On encourage Ansible à avancer plus vite. Oh, puis en plus, ça a l'air de faire du code chez Rancune. Hein. Alors, il dit sur Twitter qu'il va faire du hardware ce soir, hein, mais à quand une installation de Kali Linux entièrement automatisée? Ah, tu me donnes des idées, Cool Geek. Tu me donnes des idées. J'aime bien cette idée, Cool Geek. Surtout que je crois depuis le début de l'année, je dois en être à 3 ou 4 d'installation de Kali Linux. Donc ouais, ça pourrait être classe. T'as fait ça au taf pour faire tes masters. Ah oui, mais alors attention. Alors Cool Geek, justement, la blague. Bon, le truc, il a décidé de me casser les pieds jusqu'au bout. Tant pis. Tant pis pour MariaDB. Je vais passer tout de suite sur le, hop, sur le grand écran comme ça. Attention Cool Geek, les manières d'automatiser les installations entre les environnements Red Hat et les environnements Debian sont pas les mêmes. Et j'ai fait normalement des streams et normalement les streams sont même dispo en replay sur ma chaîne YouTube pour justement faire de la Debian installée automatiquement avec Preside et de la Debian installée, enfin non, et de la Red Hat entre guillemets, de la Fedora installée automatiquement avec Kickstart. Voilà, voilà. Bon. Oui, tout à fait, ça reste le même principe, c'est-à-dire un fichier de réponse que tu fournis à l'installeur. Bien, bien, bien. Bon, j'espérais finir en une soirée, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc, ça va devoir attendre la semaine prochaine. J'espère qu'on arrivera au bout de ce serveur MariaDB la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, je ne commite pas, mais j'ose espérer que la semaine prochaine, ce sera le cas. Donc, croisons les doigts. Hey, merci beaucoup Code Rachid pour ton follow. Merci, c'est très gentil à toi. Donc, si jamais vous voulez voir la suite, eh ben, c'est très simple. Jeudi prochain, 20h. Si jamais vous avez envie de voir d'autres choses de ma part, on peut se donner rendez-vous dimanche à 18h. Je stream un petit peu plus tôt le dimanche. La semaine dernière, dimanche dernier, on a démarré un CTF, donc un Capture the Flag, sur la plateforme de cybersécurité TryHackMe. Ça pourrait être une occasion de réussir ce challenge. Viewer Casu qui voudrait essayer d'aller choper des cours sur Ansible d'ici la prochaine fois. Encore une fois, regarde les trucs de Jeff Gerling. Bon, c'est en anglais, mais ça a l'air assez chouette. Et si jamais il y a des trucs que tu piges pas pendant les streams, faut pas hésiter à demander. Hein. Je suis là pour ça.
En tout cas, quand je peux répondre. En dehors des streams, si jamais vous voulez rejoindre la petite communauté qui devient de plus en plus active, eh ben vous pouvez rejoindre le Discord de la chaîne qui est là-dessous. Et puis aussi, vous pouvez faire point d'exclamation socials avec un S dans le chat. Vous allez tomber sur ma page d'accueil, le site là qu'on a vu tout à l'heure en début de stream, avec le petit mouton. Et vous allez voir sur cette page d'accueil, tout simplement, la liste de tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, à aller poser vos follow sur ma chaîne YouTube, qui grimpe. On a déjà 454 abonnés. Ça me fait super plaisir, je suis super content. Donc, on va pousser. Puis si ça se trouve, peut-être qu'on arrivera aux 1000 abonnés d'ici quelques temps. Voili, voilou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Dormez bien. Moi, je vous donne rendez-vous ce week-end ou jeudi prochain. On va aller faire le petit raid vers Rancune. Je vais lancer le, entre guillemets, la petite image de fin. Mais restez dans les parages, puisque on va aller le raider. Allez, c'est parti. Ciao, ciao !